Ouais, ici, McGallaghan, je suis en ville. Bien reçu. Ouais, salut Jean-Claude, t'as ma moto ou pas, putain? J'espère que tu l'as dépoussiérée, bordel, hein. Pardon? Ma voiture est sortie, tu te fous de ma gueule, Jean-Claude? C'est pas comme ça qu'on va commencer une soirée! Putain! Va falloir que je reparle un petit peu à Sayla. Allô? Ouais, bonjour monsieur, vous avez commandé un taxi? Ouais, j'ai commandé un taxi, ouais. Ah, parfait, j'arrive alors. Merci, à tout de suite. Ah, ça c'est un service taxi efficace, tu vois mon pote? J'appelle, il arrive. Est-ce qu'il sait encore à quoi je ressens? Putain, va falloir que je change mes fringues aussi. Les gars, je vais essayer de faire patron incognito. Allô? Allô, patron? Je devais venir vous chercher, mais je vous vois pas. Ah, je suis dans le coin... Mais je vous vois pas non plus, alors il y a un problème. Je suis dans le coin du parking central. D'accord, bah moi je suis juste à côté du monsieur normalement qui est censé vous décharger votre voiture, mais je vous vois pas. Mais vous êtes en voiture? Ah, en taxi, taxi, mais moi je dirais. Oh putain, mais vous êtes où là? Bah au parking central. Allez, faites une petite sieste. Ok, je fais ça. Ah, un service efficace. Bonjour monsieur. C'est vous Harry? Ouais. Bah voilà, bah vous avez plus de véhicule. Et ben c'est nickel, hein? Et comment on fait maintenant là pour m'emmener, hein? Attendez, on va trouver une petite solution. Ouais, bah j'espère que t'as un véhicule personnel ou pas? Excusez-moi madame, je vous fais un petit emprunt, je dois amener le boss, hein? Oh putain! Ok, emmène-moi à Fourrière s'il te plaît. Et tu sais que si tu le fais cramer, tu payes l'amende, hein? C'est pas un problème, hein? Oh mon dieu, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe, putain? Attends, je sais pas du tout. Je vais avoir besoin d'une petite sieste, moi. Vas-y, emmène-moi la Fourrière, s'il te plaît. Il se passe des trucs, je vais avoir besoin d'une sacrée sieste. Allô? Allô, Jameson? Ouais, ça va, Johnson? Ouais, j'ai besoin d'une très grosse sieste, là. Je vois des trucs que je dois pas voir, je pense. Ah, oh. Est-ce que t'as pris tes bons médicaments? Non, j'ai pas pris. Tu m'as bien mis mes antalgiques sur la table, ouais, ce matin. Ouais, c'est ça. À côté d'espace fond. Ouais. Oh, donc, normalement, tout est bon, quoi. Ok, d'accord, ok. À côté, bah, j'ai peut-être trop dosé, alors. Ok, ça va. Ah, merde, j'ai peut-être donné mes LSD. Ah, putain, bon. Bordel, ah, ouais, bon. Vous êtes complètement malade. Fais une petite sieste et ça devrait aller, d'accord? Merci, monsieur. Alors, et ben voilà, let's go. Alors, direction service taxi, on va commencer à taffer, on va même taffer dur. Allez, on va prendre le service, faut se faire de l'argent pour prévoir les futurs plans, évidemment. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Allez, on va se changer, on va changer un peu notre tenue. On va parcourir la ville à la recherche de clients, évidemment, et se faire un petit peu de thunes. Hop, tu me sors ma shafter. Il y a toujours pas les voitures perso. Bah, vous allez bien, monsieur, vous avez réussi à retrouver la route, alors? Ouais, et puis est-ce que je vois vous aussi? Ouais, ah putain, j'avais besoin d'une bonne sieste, hein. Je vous assure que j'ai vu des trucs. C'est un taxi, ça? C'était pas très joli. Ah, bah, c'est la voiture du patron, pourquoi? Ah, laissez-moi, votre patron, faites un effort. Ouais, on pourra avoir des limousines ou pas? Ouais, tu veux quoi aussi, un hélicoptère, un tank, dis-moi. Non, je me dis peut-être pour les soirées un peu arrosées, une limousine, ça peut être bien. Ouais, mais on aura des petits trucs sympas, mais avant, on va faire l'intérieur un peu du service, là. Parce ouais, que parce malheureusement, que, bon. ça manque d'un bon intérieur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. En gros, on est dehors, putain, on se réunit autour d'un putain de tonneau. Dis-moi, ça fait pas beaucoup de temps que je suis pas venu en ville. Ouais. Il se passe des choses, là, avec les bikers à côté ou pas? Ah, pas que je sache, c'est que Médric a eu un petit souci avec les... Ah, je sais plus le nom, attendez, je l'appelle. Bon, pour Dieu, je vais à la salle de sport. Ouais. Bien reçu. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Mais pourquoi vous... Ah, ça va, en cours, en cours. Ah ben, perdu le taxi. Vous avez perdu un taxi? Eh oui, mal de crâne. Ah, mal de crâne. Bon, bah, allez, je vous laisse. Donc, ouais, il y a des... vous vouliez parler de quoi, sinon? Moi, je travaille. Moi, rien. Si, c'est... Ouais, avant. Ouais, Médric? C'est quoi le problème que t'as vu avec les quel biker que t'as rentré dedans? Ah, c'est pas un biker, pas du tout, pas biker, j'ai aucun souci. D'accord. Non, c'est un gang bleu clair, on les appelle les sombras dans la ville. Un gang bleu clair? Ouais, c'est ça, ouais. Pas bleu foncé, ni bleu marine, aussi, ni bleu autre, hein. C'est vraiment un bleu clair. Vraiment d'accord, clair. Ils sont nombreux ou pas? Bon, ça j'en sais rien. D'accord. Et ils t'ont foncé dedans et qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, il était en Mustang noir, il m'a foncé dedans. Et après, il a fait des tonneaux autour de moi là pour me provoquer, puis moi j'ai pas du tout bougé. D'accord. Pas très agréable, messieurs. Et t'as porté plainte ou pas? Non, j'évite de faire du bruit avec. Par contre, j'ai pas eu d'atteinte à ma femme. Enfin, changer ce pantalon là. Ouais, c'est quoi ce pantalon, monsieur? Tu t'es pissé dessus encore ou quoi? Ah, c'est moutarde. Ah, d'accord, moutarde à l'ancienne, non? Ah, c'est la mode, ça. Ouais, je comprends bien. Bon, allez, je vous laisse, messieurs, passez une bonne soirée. Ah, c'est ça. Vous de même. Justement, patron, on peut avoir les chiffres d'affaires ou pas du tout? Les chiffres d'affaires? Ouais. Est-ce que vous faites le rapport à moi comme convenu? Tout à fait. Toujours. Tous les jours? Tous les jours. Attendez, bougez pas. Et pour combien tu frappes le boss? Pour zéro.
Eh mais j'ai rien fait. Voilà, les deux sont punis. Allez, on arrête les conneries, maintenant, d'accord. On arrête ça, ok. Les deux punitions. La prochaine fois, je vais plus vous entendre. Allez, au boulot là. Dites-moi, patron, on pourra parler augmentation dans la soirée. Ouais, on pourra parler augmentation, y a pas de souci. Je vais juste voir si si j'arrive à joindre moi parce qu'il est un peu fatigué en ce moment. Ouais, y a pas de problème. Hein. Faites comme vous pouvez, hein. Merci. Mais y a pas de souci. Non, mais par contre, le chiffre d'affaires, je l'ai pas parce que comment dire, le gouvernement s'occupe actuellement. Vous savez qu'il y a un système judiciaire maintenant en ville. Ah ouais, ouais. Ouais. Voilà, donc là, il s'occupe actuellement des taxis, justement. Donc, je pense qu'on est surveillé par les impôts. Ils ont frisé les comptes, donc je sais pas vraiment, je peux rien vous dire. Mais vous faites du bon boulot, en tout cas. Donc, on va parler augmentation dès que j'arrive à joindre moi. Ça roule. Merci, en tout cas. Ouais, merci, patron. Allez, t'as toujours une deuxième paire de lunettes, toi, hein. Ça se voit. Allez, on y va. Let's go. Allô? Ouais, Jameson. Alors, ça va mieux? Ça va et toi, Jameson? Ouais, nickel. Dis-moi, j'ai une petite question pour toi, Jameson. Oui, dis-moi. T'as entendu parler d'un gang habillé en bleu? Pas à ma connaissance. Je vais essayer de me renseigner si tu veux. Ok. Pourquoi? Et c'est... Bah, je sais pas, je sais même plus comment ils sont appelés, j'ai déjà oublié. Apparemment, il y a un gang habillé en bleu qui fait un peu salaud en ville. Mais faudra que je vois ça. De toute façon, il y a une réunion à 22h, on se verra là-bas. Ok, ça marche. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Allez, bisous. Okay. Vas-y, bisous. Allez, on va rendre visite à Lou. Et... Bonjour messieurs. Hey, bonjour monsieur. On dirait, ça serait pas monsieur Wick qu'on a là? Non. Ah oh, putain, on ressemblait à monsieur Wick. Non, c'est Manson, désolé. Ah Manson, vous allez bien messieurs? Ouais ouais, ça va. Okay. Ah, allô? Bah celui ouais, dans, y'a que des... Y a que des... Je suis au pénis. Qu'est-ce que tu branles là-haut putain? Kelly avait besoin de réparer sa voiture et j'ai toujours pas de moto. L'hôpital, mais je crois qu'elle a été livrée là. Il va falloir que vous veniez bordel. Ah normalement il y a un médecin. Ah il y a personne. À moins qu'il n'est pas occupé mais on va arriver de toute façon. Parce qu'il y en a qui ont crié partout et ils arrivent pas à vous voir. Allez venez on vous attend. Vas-y, t'inquiète on arrive. Vas-y. C'est bon monsieur, il y a quelqu'un qui arrive. Ah merci beaucoup. Super, c'est monsieur. Très gentil de votre part monsieur. Et vous bossez dans quoi sans indiscrétion monsieur? Moi je suis bûcheron. D'accord, on a un bûcheron par ici. Ça se passe bien là-bas? Ouais nickel. Le patron incroyable. D'accord, c'est qui le patron? Monsieur Igor. Monsieur Igor, ok, d'accord. J'ai pas l'occasion de l'avoir rencontré, mais j'aimerais bien le rencontrer un jour. Vous savez quoi? Dites à Monsieur Igor que Monsieur McGillaghan aimerait bien le rencontrer un de ces quatre. Je suis directeur du service taxi, messieurs, enchanté. Ah, ok, enchanté. C'est des hommes de famille. Eh, les deux gugus, là, vous faites quoi, là? On a mis une droite. Ouais, bah asseyez-vous, il y a des gens qui attendent. Ah, c'est pas vrai, hein. Obligé d'apprendre la politesse au taxi maintenant. On a mal au chico ici. Hein. Et après, vous étonnez qu'on vous appelle jamais. Allez, attendez derrière. Bonsoir, faites gaffe au patron, il a une sacrée bonne droite. Ah bon? Ah bon? Putain. J'ai un sacré fusil. Écoutez pas. Oh, moi aussi j'ai un j'ai un double canon. Le BSSO. Oh putain. Oh là. Oh pardon. Oh là. Putain, tire-toi. Attendez, une... ah, excusez-moi, vous inquiétez pas, ouais, vous passerez dans les sauts en priorité. Heureusement que j'ai toujours une paire de chin-chin sur moi, attendez, bougez pas. Ah, voilà. Ça va, Johnson? Tiens, Parkinson, mets-moi un petit bandage, bande-moi un max, là, putain. Venez, monsieur. T'as mal où? Ouais, j'ai mal, j'ai pris un tout petit coup au visage. Vas-y, viens avec moi. Allez. Bon, tu vas reprendre un peu de service, là, parce que pour un directeur, t'es pas souvent là, apparemment, hein. Ah, c'est compliqué, hein. Et c'est vrai qu'on s'est pas vu aussi pendant plusieurs jours. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah tu sais, avec l'enterrement de mamie, c'était compliqué, hein. Ah bah ouais. On l'a jamais aimé cette chienne. Allez, ah bah, bonne allez bien où elle est. On se voit à 22h. Ça marche. Ça y est monsieur, vous êtes soigné? Ouais, c'est bon. Vous aussi c'est bon? Ouais, vous voulez que je vous monsieur dépasse Mac... quelque part ou pas? Monsieur Mac, comment? Vous avez dit, tout à l'heure j'ai entendu, mais j'ai mal... C'est monsieur McGillaghan. McGillaghan, c'est ça? Vous voulez que je vous l'écrive ou pas? Parce que... Ouais, je veux bien, ouais. Allez, vous avez de quoi noter? Ouais. Ok, c'est bon, c'est... Bah j'ai noté, que si je vous revois un jour, au moins je saurais le dire. Et vous, c'est quoi, monsieur? Bah c'est monsieur Manson. Monsieur? Manson. Ah putain, vous avez des noms qui terminent comme ça, nous, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Eh ben merci, monsieur. Eh, pas de quoi. Vous voulez que je dépose quelque part, monsieur? Attends, je te rappelle, tonton. Ouais, je viens, ouais. Allez-y, montez. Ok, c'est sympa. Je vous dépose où? Vous avez le temps ou vous avez pas trop le temps? Ah, ça dépend, c'est 300$, vous avez de l'argent ou pas? Bonne journée. Allez, on peut négocier, rentrez, c'était une blague putain. Ah ok, ah sympa la blague, ouais. Ouais, mais... vous avez 299$. Eh, bonne journée. Ouais, good bless, hein. Wow. Tonton, ouais, c'est quoi ce que... Oh, attends, excuse-moi, mais c'est quoi cette voiture Alba, dis? Bonjour, vous taxi. Allez bien? Vous aimez pas? Ouais, ouais, voitures, ouais, God bless. Oh si, oh si, j'adore les Alba, mais c'est vrai que c'est sudiste, ça se voit. Mais ouais, c'est très joli, hein. Le dinosaure, c'est un peu ancien, là. Vous êtes en retard de quelques millions d'années, monsieur. Bah non, je suis juste la relève, hein. D'accord. Ouais, je peux pas rester dans le sud, hein, parce qu'on fait du racisme envers moi, alors du coup, ouais, je pars du sud. Hein. Du racisme envers les dinosaures? Ouais, c'est ça, hein. Envers bon. Surtout le dehors, envers le dehors, et surtout, hein. Ouais. Du coup, tu fais quoi ici, James, là, hein? Bah rien, en fait, je vais juste prendre le taxi pour aller faire un... Bah, il a pas été de
de taxi, hein, t'es con toi. Bah si. Ah bon? Bah il m'a demandé 300$ et c'est lui le patron. 300$? Ah oui. Mais non, c'est bon, je vais lui faire un prix, vous inquiétez pas. Allez, ah bon, ouais, c'est bon, bah, c'est... allez hop, c'est bon, je vais avec vous. Ah par contre, si vous êtes deux, c'est 300$. Allez, ok. Bah c'est pas grave, c'est mon neveu qui paye. Ouais. Ouais, c'est mon neveu qui paye, c'est bon, allez, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon, oui. Bah, eh bien, bah la ferme au pire, Edo. Ah, mais tu vois la ferme, Edo. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Vas-y, ouais, c'est les goûts, et les goûts. Bon, pour radio, je fais une petite sieste, je reviens. Mais, ah, comment, mais vous connaissez ma famille, je vous ai jamais vu, moi, c'est pour ça. Bah, votre neveu, là, qui est à mes côtés, là, ouais, qui me touche la cuisse, vous croyez que. Ah, ah, alors pardon, déjà, mais... bah, allez, toi, tu vas parler à Jodie, je te le dis, tu vas te confesser. Oui, c'est vrai, pardon. Parce que c'est qu'en famille, nous, qu'on fait ça, hein. Ça, ça compte, ah, pas, oui, hein. Ça, j'ai bien compris, ça. Vous êtes de notre famille? Ouais, un petit peu maintenant. Ah, bah, ça fait plaisir, hein. Bah, du coup, bienvenue chez nous. Alors, ici, c'est notre ferme. Voilà, elle est belle. Ouais, ça fait plaisir. Un petit peu, je vous enverrai des Western Union. Oh bah avec plaisir, hein. Vas-y, ouais, dis ça. Eh ben du coup, viens au cours, mais non, je te dis. Propriété privée, hein. Propriété privée, monsieur. Propriété privée, hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, allez, votre blesse, votre blesse. Il va falloir payer, par contre. Combien? Combien? Venez avec moi, s'il vous plaît. Ouais, bah non, c'est moi qui paye. Mais est-ce que juste, j'ai sûr, vous avez de la monnaie sur un billet de 50, s'il vous plaît? Ouais, j'ai de la monnaie. Ah, c'est vrai? Bah attendez, je vous donne. Attendez, bougez pas. Tenez, je vous donne mon billet. Mais je vous donne mon billet. Je vais vous faire une facture, bougez pas. Ouais, mais non, mais de la monnaie, je veux juste, moi. Bougez pas, j'ai facturé. Regardez, tenez, pour prouver ma bienveillance, je vous donne le billet avant. Tenez, monsieur. Regardez, un billet de 50$. Monsieur, vous voulez devenir maire, c'est ça? Ouais, mais je veux de la monnaie, s'il vous plaît, sur mon billet. Que je viens de vous donner. Maintenant, la monnaie, s'il vous plaît. Je vous rends la monnaie, mais payez, ouais, s'il vous plaît, la facture. Oui, je paye promis si j'ai la monnaie. C'est dans votre. Vous voulez combien? Oh, attendez. Oh, ben 50$, je vous ai donné du coup. Ouais, 49$, hein. Je vous laisse un bénéfice. Voilà, vous avez payé. Allez. Ouais. Allez, passez bonne soirée, hein. Mais non, mais non, mais non. Ah, mais non, mais non. Voilà, je suis ici. Voilà, je suis ici. Allez, vas-y. Hop là. Ah, bah parfait. Hop là. Vas-y, je saute, moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a sauté. Mais pourquoi il a sauté? Je sais pas. Bon alors, comme ça, vous l'avez escroqué, monsieur? Pas du tout. C'est pas bien, ça, hein? Tonton, appelle la police, il est fou, il va me tuer, tonton. Allez, descends. Ah. Ah, mais non, attendez, monsieur. Attendez, hop. Vous avez rendu la monnaie? Allez, je vous la donne, la monnaie, là. Sortez, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, vous faites perdre souvent du temps comme ça. Que aux gens qui essayent de... Voilà, monsieur. Ah, c'est gentil. Allez, bonne route, monsieur Mac... McGallaghan, monsieur. McGallaghan, ouais. Allez, bonne soirée, monsieur. Ouais, à plus. Il est fou, lui. Il a cru une carotte, il a cru me douiller. Il est fou, lui. Bien joué. Il a transformé 50 salles en propre. Et il m'a douillé, j'avoue, il a été chaud. J'avoue, il m'a douillé, j'ai rien à dire. Bon, il m'a douillé sur 50 balles, c'est rien. Mais je l'ai bien baisé aussi derrière. Parce que normalement, je l'aurais jamais fait à 300$ en plus. J'ai pas tilté sur le coup qu'il m'avait donné 50 en salle. Vu que ça fait longtemps que je suis pas venu sur le jeu, j'ai pas tout de suite tilté, tu vois. Et allô? Vous avez appelé un taxi, monsieur? Oui, exactement. Je suis en dessous du pont. En dessous du pont? J'arrive de ce pas. Si quelqu'un d'autre vous appelle, dites que c'est bon. Ok, parfait. Fuchsia pour radio. Yellow, il m'a mis dans la tourmente avec son article sur le shérif, là. Hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a fait, pendant qu'on était sur le continent, il a fait un article. Bonjour, ça va bien? Il a fait un article sur le shérif, comme quoi oui, il allait va. Aux putes et il prenait de la coke. Sauf que c'est un photomontage. Et Karine Speedy, elle a prouvé que c'était un photomontage. Donc ça va me retomber sur le coin de la gueule, cette histoire. Donc là, je vais voir le shérif pour essayer d'arrondir les angles. Ok, tu nous feras un résumé tout à l'heure, s'il te plaît. Ça marche. Allez, fin de transmission pour les taxis. Vous allez bien, monsieur? Ouais, et vous? Bah, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faisiez comme ça sur le pont, là? Ah, je me suis réveillé comme ça. Je pense que je faisais du somnambulisme, quelque chose comme ça. Oh putain, du somnambulisme, ça vous emmenait ici? Ouais. C'était bizarre. J'étais sur mon lit, tranquille, et là, pouf. D'accord, effectivement, c'est bizarre. Ah, mais hier, il s'est passé des trucs. Hein. Ah, il s'est passé quoi, monsieur? Ben, j'ai été témoin d'une fusillade, monsieur. Mais vous avez une fusillade entre qui et qui? Vous me sortez je ça? Je sais pas. Vous sortez ça tous les chauffeurs qui vous ramènent à un point. Ah non, mais je suis traumatisé encore. Hein. Je suis encore traumatisé. J'ai raconté à mes amis ça. À mes amis, ils m'ont dit faites attention. Hein. Et j'étais surpris. Hein. C'est qui a fusillé qui? Je sais pas. J'ai juste entendu un gros coup de feu. Ouais. Lors de la récolte de l'essence là, au désert. Et là, pouf, d'un coup, trois véhicules de flics avec trois voitures noires, etc. Hein. C'était le bordel hier. D'accord. Vers quelle heure à peu près hier? Vers minuit, quelque chose comme ça. Voilà, monsieur, vous pouvez descendre. Merci. D'accord. Monsieur. Bah, il s'en passe des choses dans cette ville à minuit, alors. Je vous jure, hein. Moi, j'étais pas prêt. Je me suis pissé dessus. Ah, bon, monsieur, ça fera 100$. Merci. Bon, bah, faites attention à vous, alors. Ah, monsieur, attendez. J'aurais peut-être besoin encore de vos services très prochainement, en fait. D'accord, bah, attends, appelez le service et il y a une voiture qui débarquera. Ok, parfait. Alors, merci beaucoup. Attends, hein. Mais je le connais, celui-ci, là. Mais je peux vous aider ou pas? Comment, putain?
qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien, monsieur Gino? Mamma mia, monsieur McCullaghan, vous allez bien et vous? Mais ça va très bien. Déjà, je vous fais un bisou. Moi, moi, moi. Voilà. Mais oui, je pète la forme, bordel. Mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez ma casquette. Voyez ma casquette. Elle est sur ma tête, sur ma tête. Flash, oui, voilà, vous connaissez Flash? Oui, j'adore Flash. Voilà, c'est, je suis rapide comme l'éclair, hein. D'accord. Voilà. Vous connaissez cet employé là qui s'est réveillé sous un pont qu'on a dû ramener? Réveillé sous un pont, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais en train de dormir et d'un Mais arrêtez de bégayer, bordel, expliquez-moi le souci. Je stresse. Monsieur, arrêtez de bégayer, bordel, expliquez-moi le souci, putain. Mais oui, expliquez-moi le souci, bordel. Expliquez-moi le souci, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous foutiez sous un pont? Qu'est-ce que vous foutiez sous un pont? Ok, mais laissez-moi parler, bordel de merde. Mais oui, mais parlez. Exprimez-vous, bordel. Monsieur, faut parler, mais il est con. Oh la vache, il a le chien. Non, lui, c'est pas possible. Il est sauvage, mais anesthésiez-le, bordel. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais revenez. Mais c'est un de mes employés, ça, mais c'est pas possible. Ok, oui, c'est un de mes employés, je vous ai dit. Mais vous êtes qui? Moi, je me suis calmé. C'est comment, votre nom? Ce con, c'est pas possible. Votre nom, c'est quoi? C'est Alex Ressam, monsieur. Ok, bougez pas, je vous vire tout de suite. Non, je rigole, c'était une blague. Ah bah, c'était une petite blague. Bon alors, expliquez-moi le souci. Expliquez-lui, s'il vous plaît. Ok, donc, tout d'abord, je suis allé chez moi, ok, j'ai loué une petite maison à côté de la raffinerie. Accélère un tout petit peu, s'il vous plaît. Oui, oui, y'en a pas que ça à foutre. Ok, ok, d'accord. Non, parce qu'on a une vie, en fait. J'ai des putains d'employés à gérer, alors tu vas te dépêcher, Alex. Hein. Ok, puis là, je me suis endormi, et quand j'ai levé mes yeux, je me suis retrouvé sous le pont. Bonjour. Buonasera. Oui, et donc. Je vous ai pas reconnu. Eh ben là, ben, je comprenais pas, j'étais habillé, tout déjà habillé. Tout, puis je me suis retrouvé. Vous avez bu hier soir? Non, j'ai pas bu. Vous mentez. Comment ça? Faites-moi sentir votre haleine. Oh la vache, hein? Ah, vous avez bu, hein? Attends, je sens le whisky, le ciré d'Edouard d'ici. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait oh hier? Oh là là, mais qu'est-ce tenez, que vous avez fait? Oh putain, mais t'as plus l'alcool ici là. Tenez, un Airwaves. Hop, mâchez, respirez. Ah, merde. Voilà, ah, merci. Ça va ranger tout le monde. C'est la triple menthe. Allez, je vous laisse, messieurs. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne journée. Bonne soirée. Au revoir. Bon, là, il y en a pas un qui est normal dans cette ville, je vous jure. À la base, je voulais aller au putain de Comico. On va jamais y arriver, ces conneries. C'était d'acheter une bombe nucléaire pour faire exploser, mais du coup, j'ai changé d'avis. Avec le code pénal, c'est trop dangereux. C'est bon, vous m'aimez maintenant? Ah, le code pénal, ah oui, c'est dangereux. Ah oui, bah non, oui. Mais après, je vous aime bien, hein. Vous êtes gentil. Attendez, excusez-moi. James, ferme ta gueule. Ah. Hop. Non, parce ça, que. Bah, voilà, monsieur Manson, je vous ai remis les $50 d'argent sale que vous m'avez donné tout à l'heure dans votre poche. Monsieur Le Gouin, c'est une bonne journée, monsieur. Quoi? Monsieur René, s'il vous plaît. Je comprends pas qui. Voilà, c'est que le début, vous inquiétez pas. Monsieur? Ouais, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir avec nous, s'il vous plaît? C'est pour. Apparemment, vous avez donné de l'argent sale à monsieur Manson. Non, je lui ai rendu son argent sale qu'il m'a donné tout à l'heure. Oui, mais du coup, vous les avez touchés. Bah ouais, parce qu'il me l'a donné tout à l'heure de force. Il vous les a mis dans les poches? Bah oui, il m'a fait croire qu'il voulait de la monnaie sur un billet de 50 et c'était de l'argent sale, ce chien. Et moi, je lui ai donné 50 d'argent propre. Donc c'est du blanchiment? Bah, il m'a pas demandé, en fait. Donc je lui ai rendu devant vous, comme ça vous savez qu'il a de l'argent sale sur lui. Mais oui, mais vous venez d'avouer que vous avez blanchi de l'argent. Mais j'ai pas blanchi de l'argent, putain! Mais vous êtes... Et c'est pas possible, vous avez un cerveau, quoi. Bon, faites-le fonctionner, s'il vous plaît. Il m'a demandé si j'avais de la monnaie sur un billet de 50, d'accord? Il me les a mis dans la poche, et je lui rends, tout simplement, parce que moi, c'était n'importe son quoi. Argent. Mais n'importe quoi, vous m'avez... Vous... Attendez, je vous raconte l'histoire. Il m'a amené à la ferme, il m'a pris $300 déjà pour facture, et je trouve ça très cher, mais c'est pas grave. Moi, j'ai accepté parce que je suis quelqu'un qui paye et un beau citoyen. Et du coup, j'avais demandé de la monnaie, comme je demande, bah, vous pourrez demander à bah, du coup, 77 voilà, et vous 33. M'avez demandé de la monnaie sur un billet de bah, 50. Oui. Et vous me donnez un billet, vous me dites c'est de l'argent sale. Je sais pas, j'ai donné le billet parce que... Ce que vous m'avez donné, c'est de l'argent sale, monsieur. Mais j'en sais rien, moi, je connais il pas. Il pue la cocaïne à 8 km. Vous saviez pas que vous m'avez donné de l'argent sale? Bah maintenant, vous le savez. Bah, donc, d'accord, mais je l'ai donné à la police. Bah, moi, bah, je savais. Moi, j'ai pas. Moi, je vous ai juste rendu votre billet de 50. Hein. Ah, d'accord. Et bah, je savais pas parce que moi, je touche pas tout ce qui est cocaïne, weed et tout. D'abord, c'est interdit tout ça. Hein. Ça pue et c'est pas bien pour la santé. Ah, mais weed, c'est autorisé jusqu'à 10 unités sur ça. Hein. Ouais, mais c'est, ça change pas. Hein. Dites pas ça à mes boys parce que je vous jure, je vais les tuer s'ils prennent ça. Hein. Après, vous dites c'est... ça, ils vont croire que c'est autorisé. Hein. Vous dites que non, zéro. On va dire et donc, plus bah, moi, je sais que pas. Hein. Autorisé. Moi, c'est la monnaie qu'on m'a donnée. Du coup, je voulais refaire de la monnaie. J'aime bien changer de monnaie. En tout cas, monsieur le dinosaure, vous avez été très fort. Bien joué quand même. Pourquoi? Bah, parce que vous avez réussi à m'avoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, parce que comme un ignorant, je vous ai donné 50 en propre. Moi, j'ai pas vrai, ça, j'ai pas vrai. Non, mais juste, bien joué, c'est donnant. Je voulais rendre. Ouais, c'est vrai, j'avoue, voilà, c'est vrai. Ils savent que vous avez du sale et que vous. Bah, non, on peut me fouiller. Bah, non, je me suis pas. Moi, j'ai donné parce que je fais de la monnaie. C'est du coup. En tout cas, sans rancune, c'était bien joué de ta part et je pense que je te l'ai bien rendu. Bah, du coup, moi, c'est pas grave et j'ai rendu le billet, donc moi, j'ai plus rien à me reprocher. Bon, allez, passez une bonne journée. Bah, non, mais si c'était sale, moi, je touche pas à ça. Du coup, finalement, c'est très bien que c'était sale, putain. Allez, passez une bonne journée. Quoi, ça c'est les sudistes qui disent ça, vous voyez, ça c'est les sudistes dans le Nord, il n'y a pas tout ça, vous êtes sudistes, ça se voit, vous êtes sudistes, et c'est pas grave. Ouais, vous savez pas trop quoi dire, je comprends. Oh, bah, c'est, hein, moi, c'est qui le monsieur bien habillé là? Oh la vache. Monsieur le juge, merci. Monsieur le juge,
Oh putain, j'ai rien fait, monsieur le juge. Hein. Moi, si, il m'a donné un billet sale. Bon, après, je dis ça, je dis non, rien. Non, je t'ai juste rendu ton billet sale. Ouais, mais du coup, il est allé dans tes mains, du coup, il était à toi. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. D'accord. Bah, sinon, il vient d'où cet argent sale? Tu peux peut-être le dire. Mais où surtout? Je sais pas, tu sais, tu peux venir à la ferme, vous trouverez rien à la ferme. Mais tout le monde il est où ce billet de 50? Mais je l'ai donné à un des policiers, j'ai fait. C'est moi qui l'avais et j'ai demandé à l'agent Côte de l'analyser avec la machine à l'armurerie. Et c'est bien un billet, un faux billet, quoi. Oh là là. Ah, mais je sais, mais d'un qu'il est. Bah oui, je sais, je suis con. Bah ouais, vous avez pas arrêté un boudeur, par exemple, hier, hein, avec une cargaison? Mais ouais, du coup. Bah ouais, Brandon, mon neveu, le con. Mais comment ça se fait que ce soit vous qui l'ayez sur vous? Eh bien, parce qu'il a dû me donner ça quand je faisais des échanges de monnaie. Hein. Parce que je fais des échanges de monnaie avec tout boy boy. Vous pouvez demander. Vous jouez au Monopoly avec votre argent? Hein? Vous jouez au Monopoly avec votre argent? Eh bien, exactement, de manière 7733, et je l'aurais fait hier soir. Hein. Okay. Bon, sauf que je leur ai pas donné de billets, ils m'ont juste donné des billets, ils sont arnaqués. Mais ils étaient consentants. Du coup, ça change tout. Hein. Vous êtes monsieur, du coup? Galagan, messieurs. Je voulais juste. Bon, je me retire, commandant, je vous laisse gérer la situation. Quoi dans la vie? Elle arrive. Directeur service taxi, messieurs. C'est vrai? C'est mon genre de chance, il fallait que je vous vois. Ah, vous voulez démissionner de chez les flics? Vous êtes mal entretenu, ils vous payent pas assez? Vous les détestez? Non. Ça va durer que 2 minutes, vous inquiétez pas. Vous venez avec moi vite fait. Oh, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Alors, je vous explique. J'ai rien fait de mal, hein, j'étais pas là. Non, mais c'est pour rien de mal, de toute façon. Je suis le lieutenant et je m'occupe du recensement de toutes les entreprises avec les patrons. Mais il me manquait les taxis. Eh ben voilà, je suis là, monsieur. C'est pour ça. Donc, il me faut votre nom, prénom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ok, vous notez Johnson McGillaghan. Et le numéro de téléphone, le 3017. Écoute. Ok, c'est bon, c'est au cas où il y aura un souci avec la société ou même un de vos employés, au moins. Eh ben, j'espère qu'on ne viendra jamais là. J'espère aussi, hein. Mais bon, ça met des fois. Enchanté de vous avoir connu, lieutenant, en tout cas. De même. Vous vous appelez 6 et 8. Monsieur. Lieutenant Kyle. D'accord, Kyle, très bien. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Ah oui, vous avez un sacré chewing-gum, celui-là, je suis sûr. Ah ouais, bah pour pas changer. Mais qu'est-ce que vous avez fait à monsieur Lenny? Monsieur Lenny, c'est qui? Le Tyrannosaur Rex. Tyrannosaur? Non, il a voulu me douiller sur 50 balles, donc je l'ai un peu affiché. Ah, il paraît que vous êtes vraiment con, alors. Hein? Il a dit en rentrant dans sa voiture, il est vraiment con, le patron des taxis. Ouais, mais j'ai surtout douillé en fait devant les flics, donc c'est pas grave. Mais vous inquiétez pas, les 50 balles, je les retrouverai. Ouais, bon, c'est 50 balles. Ouais, mais 50 balles, c'est 50 balles. Vous savez, hein, ma grand-mère disait toujours, si on vous arnaque sur 50 balles, on vous arnaquera sur 50 000 balles. Ah ouais, ils volent un œuf, volent un bœuf, c'est ça? Exactement. Qui doit un cul, doit deux culs. Vous connaissez. D'accord, hein? Très bien. Ah ouais, bon ouais. Bon, allez, passez une bonne journée, monsieur. Ouais. Bonne vous aussi, hein. J'adore mes expressions. Fuchsia pour radio. Il va falloir trouver une nouvelle place pour Yellow, hein. Un nouveau boulot, hein. Voilà. Ok, vous savez quoi? De toute façon, on va faire la réunion. Ok. Je vous envoie des coordonnées bientôt. Habillez-vous en civil. Ça veut dire que là, vous savez, on a posé les bases du retour. Ça va chicoter, tu vois. Bientôt, j'annonce, ça va chicoter. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors. Il va y avoir des réunions intéressantes là qui vont arriver. Ma moto est toujours là, ça quel plaisir. Alors, bonjour madame, vous êtes oh putain, elle est en phase terminale ou quoi elle? Valider l'achat, oui. Oui. Voilà, ça fait plaisir ça. Ah là mon pote. Là on revient. Ah non. Ouais, c'est à l'artiste. Ouais, tranquille. Pour le Sailar là, il va falloir qu'on pense à l'embarquer avec nous. Hein. À manquer quelqu'un. Ah ouais, je pense qu'on. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'on s'ouvre un petit peu plus. Hein. Entre Dawson qui est décédé. On est combien là dans le groupe en tout? Attends, laisse-moi réfléchir. Moi, mon chibre, toi, les trois, James, Parkinson, ça fait 4. J'ai retiré mon chibre en même temps. Laurette, Rosso. Ouais, 5, 6. Jackal. 7, son pote, voilà, 8, on est 8. Et Jonathan, donc ouais, 8. On est 8. Donc, on le prend? Ouais, on va essayer d'être 10. Ouais, ça serait pas mal. Comme ça, il y a deux remplaçants si deux sont pas là. Ok, je lui donne rendez-vous tout à l'heure et je m'en occupe, ok? Bah, si on prend. Toujours à 22h. Bon, on peut la faire maintenant, même s'il faut. Tu les tiens au courant alors, s'il te plaît? Ouais, je les renvoie, j'ai déjà envoyé les positions. Vas-y, j'arrive. Il est revenu, Manfield. Il est là déjà. Il est déjà là? Parce qu'il était pas là tout à l'heure. Je sais pas. Mais non, je crois pas. Je demande. Des petites nouvelles concernant le journalisme. Bah, je crois que la réunion, ce sera plutôt à 22h alors. Hein. Ah, il y a Gold qui m'a répondu. Il t'a dit quoi? Il m'a dit ça marche, comme à son habitude. Ah, et Jameson me dit 2 minutes. Ok. Est-ce que quelqu'un, Jameson, il nous entend ou pas? Trouve un moyen de le contacter, même s'il est en dehors de la ville, qui mène son petit cul là. Il peut venir en ville, la rocade, elle est tranquille, je pense. À ce temps-là, il n'y a plus grand monde qui veut venir. Fuchsia pour radio, j'étais en entretien, je suis disponible pour la réunion. J'arrive. D'accord, t'as entendu ce qu'on t'a demandé de contacter Medfield? Il est pas là? Bah justement, tu peux. D'accord. Pas. Il vient quand? Je vais essayer de lui envoyer un mail. Parce que Silver n'est pas là, White non plus, Blue non plus.
Ça, c'est pas grave, ils sont indispensables. Alors, mon code beauf. Rien. J'ai plutôt une air polluée. Ah ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Et ben voilà, enfin une bonne nouvelle. Ouais. Ouais, ça va la gorge? J'évite de parler. Et qu'est-ce que t'as fait encore? T'as sucé trop loin et trop fort? Je pense que c'est ce qui s'est... D'accord, ok, je vois totalement ce que tu veux dire. N'en dis pas plus. Bon, ils arrivent les autres? Alors là. Je vais me concentrer mentalement pour pas me pisser dessus, d'accord? Donc je serai un petit peu absent. Mais c'est juste mental. C'est ça. Mon physique reste là. Mon enveloppe charnelle, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Bonsoir. Oh, j'interromps quelque chose peut-être? Oh oui, t'interromps ouais, de grandes choses. Oh, oh, ça va les gars? Ah, ça va. On attend l'homme le plus utile de la soirée. Ouais, quelqu'un qui ne sait pas sortir une ambulance quand on a besoin qu'il en sorte une. Ah, ça, okay, j'ai pas sa famille, hein. T'as réussi à contacter le footeur de merde? Non. Il répond pas, aucune nouvelle. Génial. Il va falloir lui trouver une nouvelle place, hein. Parce que moi, c'est le shérif a dit c'est une condition sine qua non, hein. Parce que vu qu'il a porté plainte et qu'il y a une enquête en cours, sinon ça va me retomber sur moi et l'entreprise va devoir payer une très grosse amende. Donc hop, ça dégage. Quoi bah, il a fait des articles litigieux sur le shérif, hein, non fondés. Donc bah, il est là comment le problème. Comment tu sais qu'ils sont enfondés? Parce que la LSPD m'a dit que c'était des photos truquées. Et comment ils tu savent? Tu parles de la photo de avec ouais. Une députée. Bah, c'est la scientifique, hein. Ouais, moi aussi, je suis scientifique. Ah ouais? Oh oui. Si moi, je veux avoir les mains clean, je le vire, je supprime l'article, je fais un petit mot d'excuse au nom du journal, et on est bon. Attends, bouge pas, attends. On va attendre Parkinson. Moi, ça fait 2 semaines, je suis pas mieux en ville, ok? Et tu vas expliquer ça comme si t'expliquais ça devant des milliers de personnes. Ça roule? Vas-y. Tu vas tout reprendre à zéro et tout. Ouais, parce que là, tu m'as perdu, là. C'est bon, il arrive. Y a pas un intérieur, là, sympa, là, un peu allumé, là, parce qu'on est quand même chez des gens, pas sûr qu'ils nous aient donné l'autorisation. Oh, t'inquiète pas, ils m'ont pas vu. Parce qu'il y a quand même de la lumière, hein, et de la musique, hein. Ouais, mais ils m'ont pas vu. Ok. J'ai vu qu'on pouvait acheter des appartements maintenant ou louer. Ouais, et il y a autre chose. Ouais. Voilà, il y a autre chose. C'est incroyable. Ouais, c'est énorme. Fantastique. Merci. Tu devrais en faire un article, là, Jameson, là. J'ai mis mes meilleurs gars sur le coup, hein. En gros, laissez-moi vous expliquer. En gros, il y a un système judiciaire maintenant. Ah ouais. Oui, j'ai appris ça tout à l'heure. Ouais, Parkinson, il fait quoi? Parce que déjà qu'on l'attend alors qu'il a rien à branler de sa vie, c'est pas possible. Ouais, il est vraiment débile, il est pas dans la bonne maison, ce con. Ah putain, faut que je m'achète une maison, ou un appart. Ouais, je pense que c'est l'objectif de tout le monde, hein. Ouais, c'est vrai. Faudrait qu'on s'achète un QG, putain. Ouais, le jardin des gens, ça te convient pas? Non, mais c'est pas mal, mais bon, bientôt l'hiver. Ouais, commence à faire froid. Je me remets au sport, hein. Oh putain, je suis trempé, putain, Parkinson. Ah, c'est pas comme si on vous attend depuis 30 ans, hein. Désolé. Ouais. Voilà, alors du coup, bienvenue à tous à cette réunion. Bienvenue. Bienvenue. Moi, c'est Mo, alcoolique depuis 30 ans. Enchanté, Mo. Enchanté, Mo. Je fume 40 paquets de cigarettes par matin. Oh. Depuis que j'ai arrêté, on n'arrive pas à faire une putain de réunion tout ensemble. Ah, je te... Non, c'est faux, on en a déjà fait une. Oui, on est à 3. Oui. Et là, on est 4. Et allez, c'est voilà. De mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Peut-être que demain, on sera 5. C'est quoi ces chaussures, là, Jameson? À quoi tu veux? T'aimes pas mes mocassins? C'est pas possible. Il y a forcément des fautes de goût vestimentaire ici. Hein. Ah non, c'est des mocassins. C'est du véritable cuir en peau de couille de chamois qui ouais, vient d'Italie. Bon, bon dis-nous tout. Bon. Eh ben, déjà, bah, j'ai déjà expliqué. Jameson, il le sait déjà vu qu'il était à la dernière réunion. Bah, explique, bah, toi aussi. J'étais absent. Non, j'étais pas là, moi. Bah, il y a le plan qu'on est censé faire. Choper un flic. Ok. Je sais plus pourquoi on doit choper en tout cas. C'est nickel. Ça serait, putain, ça serait vraiment bien que Yello soit là pendant cette réunion, hein. Ouais, ça serait bien que Yello soit là pendant cette réunion, effectivement. Il est où, Strizo? Si seulement Yello pourrait être là très rapidement pendant cette réunion, ça serait incroyable, j'ose prier les dieux. Pendant notre absence, déjà, bonne nouvelle, les Russes ont disparu. Lesquels Russes? Parce que j'ai croisé un Russe la dernière fois. Les Russes qu'on connaît, nous. Ok. Comment elle s'appelle la meuf de Tchernobyl là? Comment elle s'appelle? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça là. Merde. Je suis à deux doigts dans Cité des Mers, mais comment elle s'appelle putain déjà? Ouais, c'est ça. Avec ça, c'est quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Avec sa culture de mort là. Ouais, Nathalie Daniel. Ouais, qui pue de la gueule là. Ouais, d'accord, ok, de la joie. Tu veux toi? Ok, voilà. Ouais, pue bien de la gueule. Ouais, bref. Déjà, j'aimerais bien être présent à la réunion, mais il faudra m'envoyer la localisation s'il vous plaît. Bon, on va attendre. Envoyez-lui s'il vous plaît. Et ben on va l'attendre encore. Et on va l'attendre, comme ça on sera 5, incroyable. En tout cas, je sais pas ce qui se passe, mais il fait tout le temps moche. Oui. Ça va ou quoi, Tino? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. D'Ivoire. Oui. L'Arctique sur la BCSO. L'Antarctique ou l'Arctique? L'Arctique sur le BCSO. Oui. Voilà, ça te dit quelque chose ou pas? Oui, bah ça dépend, il y en a eu tellement. L'article.
L'article sur ce mais que de tu... quel article tu me parles là? Là, l'article sur la photo compromettante du shérif du BCSO. Oui, je l'ai vu. Oui, magnifique. Tu l'as vu. Oui. Est-ce que par hasard c'est pas toi et ton frère qui l'avaient demandé? Ah, pas du tout. Qui a demandé cet article, l'apparition de cet article? Ah, je ne sais pas du tout. Vous avez un problème ou pas avec le BCSO? Avec le shérif, oui. Enfin, pas moi personnellement, mais Vito, oui. D'accord. Vous savez qu'on a eu des petits soucis. On a fait des bêtises, hein, comme tout le monde. Ouais. Et ils nous ont retrouvés. Ils ont retrouvé Vito. Et où? Et ils l'ont amendé, quoi. Donc il a un casier maintenant. Il est plus vierge. Enfin, il est plus vierge depuis longtemps, mais son casier, je parle. Et le Vito, il est où? Il est en ville? Ah non, là, je l'ai pas, là. Il doit être en train de dormir. Il doit être en train de dormir? Oui. À ce temps-là? Oui. Bon, c'est inadmissible, je suis bien d'accord. Bon, quand il est réveillé, tu lui dis de m'appeler d'urgence. D'accord, mais pourquoi? Ça vous embête? Ben non, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un article qui est apparu et apparemment la rumeur circule comme quoi c'est vous qui auriez demandé ça. Ah oui, mais je suis pas au courant, putain de merde. C'est peut-être lui qui a pris des décisions sans m'en parler. Ouais, mais là, ça met dans la merde les journalistes. Eh oui, j'ai bien entendu cette histoire et d'ailleurs ça me fait chier. Merde, mais oui, je sais bien. Bon, je me renseigne et je vous rappelle si j'ai des nouvelles. Ok, à plus tard. Je vais demander à mes hommes. Bon, il s'en sort. Bon, d'après les premiers retours, c'est pas les Italiens qu'ils ont demandé particulièrement. Mais si, il m'a dit l'Italien, là. Si, c'est le Salazar. Attends, mais il est con, il est où? T'es où? Oh putain. Je suis là. Va faire une sieste. Je vais foutre en l'air. Je la résume. Apparemment, c'est pas les Italiens qui ont demandé. Donc je pense qu'il est en train de mytho. Comment il s'appelle? Moi, il m'a dit que c'était l'Italien, là. Eh ben non. Je te dis que c'est pas lui. Je viens de l'appeler, putain. Mais c'est le big boss, leur daron, là. Attends, celui avec les roues flaquettes? L'autre, là, le père de machin, là. Qu'on avait croisé au parking, là. Tu te souviens? Avec les roues flaquettes. Je crois, ouais. En blanc, avec les cheveux blancs, là. Ouais, le vieux. Ouais. Celui qui m'a pris à part, un moment. Voilà, c'est ça. Tu crois que c'est lui qui a demandé? Bah oui, c'est voilà, l'Italien. Donne le boss. Donne Salazar, là, c'est ça, non? Voilà, c'est ça, Salazar, chercher, putain. Ça sert pas du tout l'intérêt de Rambo, là. C'est n'importe quoi. Non, là, moi, ça me met dans la sauce, là. Bon, attends, on va attendre. Et pourquoi il l'a fait? On sait pas, parce que s'il a rien lu, justement, en échange, c'est que c'est vraiment le plus gros des bolos. Parce que Yellow, il est pas comme les autres, tu vois. Mais je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi concernant ce chien, là? Tiens, en parlant de chien. Bonjour, Benfield. Bonjour, allez bien? Moyen. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Mo, reprends la... Ouais, on en était aux Russes. Voilà. Allez, ouais. J'explique. Les Russes ont disparu. Pendant notre temps d'absence, on était plus là. Pendant la petite semaine, là. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Il y en a encore, des Russes. Hein. Méfiez-vous. Okay. Je pense pas qu'ils font partie du groupe. C'est pas les mêmes. Ouais. Ensuite, le van. Toutes les armes et l'argent qu'on avait. On a plus rien. Oh, t'es sérieux? La fameuse histoire avec la pute? Voilà. Ah, putain. Ah, tu me l'as déjà raconté, ça, putain. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la pute, raconte-moi? Oh, ton chapeau, il va pas avec ton costard. Bah, t'es personne pour que je te le raconte. Donc tu as rangé ton flingue, ouais, et tu vas bien fermer ta gueule. D'accord, pardon. Faut que je me rachète une arme, d'ailleurs. Écoutez bien, c'est une ensuite, saison, ça commence là. Le plan pour les flics. On doit choper un flic, c'est Johnson qui a eu l'idée, mais je sais plus pourquoi. Ouais, je sais plus pourquoi, mais on va le faire. Ah si, c'était pour mettre la pression, je crois, aux flics. Non, mais écoutez, je vais vous la faire courte. Entre les enterrements de ma grand-mère, les enterrements de mon beau-frère, les enterrements des enterrements, ça fait 3 semaines que je suis pas venu dans cette putain de ville. Et là, je vois quoi? J'arrive, il y a un mec en tête de dinosaure qui se balade dans toute cette putain de ville et qui dit revendiquer le Nord. Ah donc, oui, je l'ai croisé tout à l'heure. Eh ben lui, on va devoir le renvoyer à l'époque des dinosaures, parce qu'il commence déjà dans à le casser les couilles. Ensuite, c'est pas tout. D'ailleurs, il recherche l'eau. Hein. On va prendre un flic. Pourquoi? J'ai oublié, mais on va prendre un flic, d'accord? Okay. Histoire de se remettre un petit peu en jambe pour le groupe, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, comme je dis, ça fait 3 semaines que je suis pas venu. Moi je suis d'accord, Par contre, on kidnappe avec quoi? Des armes. Non, mais toi, des armes de pistolet à mire. Ouais, t'avais quoi dans ta poche il y a 2 secondes? Ouais, mais je crois que je suis le seul à en avoir une, non? Eh ben voilà, mais non, tu seras pas le seul. Ensuite, c'est pas tout, écoutez, s'il vous plaît. Vu que ça fait 3 semaines que je suis pas venu, donc j'ai appris que les Russes étaient pas là, en tout cas l'autre, avec sa queue de cheval là, qui pue de la gueule là. Donc ils sont pas là, tant mieux, c'est une charge en moins. 74 est décédé, vous vous souvenez de 74 ou pas? Une fliquette, ouais. Là. Non. Ouais. Bref, il y a une fliquette qui nous faisait bien chier, là. C'est celle qui m'a tabassé plusieurs fois. J'ai fait un article dessus, les gars. Faut lire. Hein. On l'a retrouvée avec divers balles dans le corps. Il y a un article, effectivement, qui a été pondé dessus. Bah, elle marchait, ça fait... Brrra, brrra. Non, mais j'étais là, parce que c'était moi qui étais pris en otage, et ça faisait... Pa, 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 pa. Ah... Donc on a résumé la situation plutôt bien. J'ai cru comprendre, parce que tu m'as envoyé un mail, là, hein, faire part, là. T'étais devenu directeur de l'hôpital. Yes. Je vois que ça commence à bien se fringuer, putain. Ah, il est beau, mon costard, ou pas? Il doit pas le tu faire. Vois, je t'avais dit qu'à mettre de la pommade, un jour, ça allait payer. Bon, alors, là, on attaque un sujet un peu plus difficile. Au niveau des drogues, au niveau des vendeurs, on connaît quoi, là, maintenant? Parce qu'en 3 semaines, je suppose que les choses changent. Il y a
Moi, tu t'es endormi ou quoi, putain? Moi, il connaissait le... Les vendeurs, la drogue, tout ça, là. Ça en est où? Ça a changé en 3 semaines. Ah, mais on sait rien, moi. Ah, nickel. Eh ben, on demandera... Ah, non, c'est... L'autre réunion, c'était Manu qui savait. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est Manu et Aladin qui savent, c'est ça. Voilà, c'est ça.